Je vais revivre. Je suis venue, je sais pas si vous vous souvenez, avant l'été, enfin pendant l'été l'année dernière, je suis venue ici parce que je voulais faire un tanning bronzant, enfin un tan quoi. Et en fait, c'est avec le produit qui tache pas les vêtements. La preuve, je vous ai mis du gris aujourd'hui pour vous montrer. Donc là, j'ai mis un truc gris pour vous montrer que vraiment le truc ça n'éteint pas. Et c'est le meilleur truc que j'ai fait pour avoir le teint bronzé. Et j'ai le droit de le faire avec Roaccutane, donc. Je suis venue jusqu'ici. C'est le seul institut que je connais qui fait ça. Il doit y en avoir certainement d'autres, mais en tout cas, moi, je viens jusqu'ici. Regardez ma tête. Je viens de vivre un truc de ouf. Ouf. C'est... Non, mais regardez ma tête. C'était génial. Là, on fait mon truc favori. Je vous explique tout que après. Et l'ordre, etc., etc. Parce que oui, j'ai fait un massage juste avant. Je vous explique tout après, mais ça... Voilà, je vais être toute belle, toute bronzée. Envoie le produit, envoie le produit, envoie. Les gars, je vais avoir le nez rouge parce que il y a un néon là. Alors, les gars, je viens de finir. Alors, je suis déjà en train de mettre mes bijoux. Je viens de finir, c'est pas un spray tan, c'est Sun Cosmetics. Je vous en parle pourquoi. La dernière fois, j'ai fait un partenariat. La première fois que j'ai testé, je connaissais pas. J'avais déjà fait des spray tan, donc je leur dis, bah, spray tan, c'est un spray tan. C'est pas pareil. Un spray tan, tout de suite, t'es très foncé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce que ça va être un spray qui va être progressif. C'est un activateur de mélanine. Et en gros, je vais être plus foncé demain et encore après-demain par rapport à aujourd'hui. C'est un soin que... Enfin, un soin. Un spray que je dois rincer en 6 heures. Donc c'est différent et il n'y a pas de traces. C'est pour ça que je vous en avais parlé la dernière fois. Je l'avais testé. Et ça, c'est des trucs qu'on a l'habitude de faire plutôt en été. Parce que ça, quand tu le fais derrière, tu fais un UV ou tu vas au soleil, tu bronzes à mort. Donc là, moi, je peux pas aller au soleil, vous le savez. Mais en gros, si je le fais tous les jours environ, je serai tout le temps bronzée. Et franchement, je le kiffe. Ça colle pas. J'ai mis un jogging gris. J'ai pas de traces. Je vous ai dit que j'ai mis du clair exprès pour que vous puissiez voir. Ça tâche pas vos fringues. Ça tâche pas vos fringues, ça vous fait pas de tâches. Et quand ça part, ça fait pas de tâches. Donc là, ça va s'activer tout du long. Si je faisais un UV, là, ce serait une takana pour moi. Mais je peux pas, j'ai pas le droit. Ça tâche pas les ongles. Elles m'ont rien mis sur les ongles pour protéger hein, quand elles ont fait. Ni les mains, ni les pieds. Donc voilà. Donc c'est vraiment très différent. Et ça, c'est vraiment un truc. Si tu dois prendre le soleil, si tu fais des UV, tu fais ça avant, vous allez voir la différence. Il y a des gens qui font des UV et qui mettent des crèmes avant de passer à la machine pour bronzer plus. Ça, ça marche 10 fois mieux. Moi, je l'ai fait l'été dernier, donc je sais de quoi je vous parle. Je l'ai fait et derrière, je suis allée au soleil. Et ça m'a permis de vraiment, vraiment, vraiment bronzer, mais rapidement. Et c'est autorisé, c'est à 99% des produits naturels. Donc ça marche hyper bien, et ça vous abîme pas la peau, et ça vous fait pas mal les filles. Donc voilà, pour les filles qui peuvent pas bronzer, prendre le soleil, ça là c'est incroyable, c'est vraiment the truc. Donc là je me rhabille. Juste avant j'ai fait un massage, c'est pas conseillé de mettre des huiles ou des crèmes avant de le faire, pour éviter que ça, le produit s'en aille trop vite. Mais moi après juste derrière je me suis redouchée, enfin on m'a relavé les zones où il y avait de l'huile. J'ai fait un massage exceptionnel les filles, vraiment. La masseuse est chinoise, laotienne, elle m'a fait un massage de malade, vous avez vu ma tête tout à l'heure, incroyable. Franchement si vous êtes fan de massage, moi en général quand je vais dans les grands spas pour massage et tout, c'est parce qu'ils vont me faire des soins de visage avec des produits comme Clarins ou des trucs comme ça. Mais les massages, les masseuses, depuis la Thaïlande l'année dernière, j'ai pas eu de massage comme ce que je viens d'avoir ce matin. Incroyable. C'était magique. Magique. Meilleur massage. Donc voilà, là, je me rince dans 6 heures. Je vous montrerai les résultats. Je vous montrerai les résultats. J'ai fait exprès de le faire avec mes sous-vêtements pour que vous puissiez voir la différence juste là. Hein, alors que, enfin, c'est pas du tout à son maximum. Je suis pas du tout à la couleur maximum du produit. Mais c'est juste incroyable. Vous allez voir, moi l'année dernière quand je l'ai fait, j'ai trop kiffé. Ça prend trop vite, ma peau elle prend trop vite. Et c'est canon. Les gens qui sont dans le 95, si vous êtes à côté, profitez-en pour moi s'il vous plaît. Parce que moi je suis loin. C'est-à-dire que même quand je rentre que pour 2 jours, des fois j'ai pas le temps de venir. Ça commence à prendre là.
Ça commence à prendre. Je vois. J'ai pas de tâches, j'ai remis direct mes bijoux. Hein. Pas de tâches. Pas de tâches. Je vais vous montrer les photos. Je crois que je ne t'aime plus. Les gars, je repars. C'est parti. Je repars vers Paris. C'était un plaisir. Un massage exceptionnel. Je suis obligée de vous parler du massage parce que le massage, c'est la première fois. Elle est incroyable, la masseuse ici. Je sais pas si vous habitez à côté, mais... elle est géniale, la masseuse. Elle m'a trop détendue, trop du bien. Franchement, elle m'a fait trop du bien. C'est le vent qui pousse ma voiture comme ça ? C'est très grave. Hein. C'est très, très grave, là. Mais s'il vous plaît, c'est très grave. On dirait qu'on traverse un lac.